Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be Je me suis mis tout beau en attendant que ma femme elle arrive. Aujourd'hui, je vais faire un peu de lavage. Je n'ai pas une tonne à faire, mais j'ai mon temps à la faire tout de suite que d'en avoir trop à faire parce que ça va être trop long. Hier, j'ai réussi à placer un peu notre canage, un peu les affaires de toiletterie dans le bateau, leur trouver des petits coins. Je veux vider nos craies, vider la remise, c'est une de mes priorités. Hier, j'ai pas continué la préparation de la coque. J'avais posé beaucoup de questions sur les médias sociaux, puis m'avait répondu en grand nombre. Je vous remercie là-dessus. J'ai fait une recherche un peu de l'époxy à utiliser pour réparer mon safran, puis les meilleures méthodes pour enlever le vieux anti-falling sur la coque. Puis aussi que je vais continuer la préparation de ma coque. Tantôt! Arrangez-vous pas que ma femme sache ça parce que je vais tout le temps être pogné pour faire ça à cette heure. Mon lavage est fait. La prochaine étape, ça va être de remoncer ce que j'ai de besoin pour commencer à travailler sur la coque. Je veux rien oublier en dedans parce que monter, descendre, c'est une perte de temps. Donc on va essayer de rien oublier. De quoi à boire, check. De quoi à manger, check. Et de la musique. Pour l'assemblage de la peinture anti-salissure, je me suis fait fortement recommander de m'habiller à manches longues parce que les particules là-dedans sont toxiques, ça rentre dans les pores de la peau. Fait qu'aujourd'hui, je vais m'habiller au complet pour se protéger. Je vais mettre du tape après les poignets pour pas que ça me rentre. J'ai malheureusement pas de gants, puis je mettrai pas vraiment des sciaux des bas pour sabler, mais ça devrait être correct. Un petit conseil d'utilisation du grattoir, les coins ici là sont très coupants. Fait qu'aussitôt qu'on tombe de travers un peu, on fait des belles encoches dans la coque. J'ai l'impression que les pattes, les stands sont ici avant. Quand ils ont peinturé, ils ont fait le tour. Mais je suis pas sûr qu'ils ont mis de l'interprotect dessus. C'est blanc. Parce que moi, mon but, c'est que ça soit tout gris comme ça, le plus possible. Un petit peu bleu, ça me dérange pas. Moi, c'est le plus gros, c'est enlever le noir.
puis après ça, ressembler dessus. Mais d'après moi, ici, il n'y a pas eu d'Interprotec. C'est peut-être des petites places que je vois. Puis la même affaire se produit ici. On voit du blanc. Là. Je ne sais pas si c'est le gel coat de la côte, de la coque qu'on voit. On fallait surveiller ça. J'ai à peu près le corps du bateau de fait. Parce que la quille, je vois si je vais la faire en dernier, c'est quand même un bon morceau. Parce qu'elle est en fonte. Il fallait gratter les spots de rouille. Présentement, là, je m'en vais faire un run aux poubelles. Je m'en fais un petit tour au parc. Après ça, on va me laver. Puis un bon repas bien mérité. Fait qu'on se revoit. À la prochaine.